mon absolu, Jésus-Christ mon absolu. Mon absolu, mon absolu, mon absolu, Jésus-Christ mon absolu. J'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. Oh, j'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. L'absolu est parfait en soi, illimité dans sa puissance. C'est un point de référence final, un amen sortant du cœur. Mon absolu, c'est la fin de toute discussion. J'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. Parfait, j'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. Si t'es perdu dans les déserts, si tu es perdu dans la forêt, et que tu as la boussole, elle pointera toujours vers le nord, elle pointera toujours vers le nord. Si tu as l'esprit de Dieu dans ton cœur, si tu as l'esprit de Dieu dans ton âme, il pointera toujours la parole, car elle est l'absolu des absolus. J'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. L'épouse a besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. Et si toi mon frère, ton absolu c'est ton pasteur, tu tomberas quand lui tombera, c'est le Dieu jaloux qui le permettra. Et si toi ma soeur, ton absolu c'est ton église, tu tomberas lorsqu'elle tombera, c'est le Dieu jaloux qui le permettra. Je te conseille de prendre la parole, je te conseille de prendre le message, je te conseille de prendre les prophètes comme l'absolu des absolus. J'ai besoin d'un absolu, un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. Isha a besoin d'un absolu, oh, 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 un absolu, un absolu, que je ne puisse jamais chanter. Le point de référence final. Béni soit le nom du Seigneur pour l'absolu au temps de la fin. Ce point de référence final, cet amen qui vient du cœur.